Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, le programme, c'est mon organisation post-partiel et pendant partiel. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise après, ce que j'ai fait pendant mes partiels, parce que chaque fois on me demande, mais je peux pas vous filmer pendant mes partiels. C'est la panique à bord. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait et ça pourra peut-être vous être utile pour les prochains contrôles, les prochains partiels, etc. Donc, j'ai pris mon petit café ce matin. Il y a ma petite tuquette qui est à côté de moi. Comme d'habitude, j'ai une dégaine pas possible, ça c'est habituel. On va aller dans le bureau et on va enfin ranger toute cette pile de cours qui traîne depuis une semaine et demie maintenant. Donc c'est parti. Regardez mon chacha comme il est beau. Il est trop beau. Ce matin il est venu gratter avec ses petites papattes là sur ma personne pour que je puisse me réveiller. Oh oui mon amour. Je me suis endormie à 23h30, je me suis réveillée à 10h. J'avais trop sommeil. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu mes premières semaines de cours. C'était très bizarre. Voilà, en fait c'est ça le mot que j'ai, c'est bizarre. Je sens que ce semestre-là, il va être compliqué. Les matières, elles ont l'air assez hard. Je suis en train de chercher un truc là. Ah voilà, c'est là. Elles ont l'air vraiment très hard et je sens que c'est pas des matières qui m'intéressent. Parce que c'est un mélange de toutes les matières qu'on déteste. Donc c'est génial. Comment vous dire que c'est extrêmement bien. Alors, on va prendre tous ces petits cahiers. Alors, je vous montre l'étendue des dégâts. Alors ça, c'est mon coussin pour la tête. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup le bordel. Il y a plein de feuilles. Là, c'est mes partiels, etc. Genre, regardez mon partiel de compta. Que des articles de droit. C'est génial. C'est vraiment drôle. Les BSO, bilan consolidé, ça qu'on n'avait jamais fait en cours. Enfin bon, bref, c'était vraiment bien. Vraiment très bien. Ne parlons pas de choses qui fâchent. On va ranger ça vite. J'ai plein de choses comme ça qui traînent. Donc on va prendre notre petite pochette exprès pour ce semestre-là. Donc moi, j'achète ce genre de pochette maintenant pour ranger tous mes cours à l'intérieur. Donc là, j'avais déjà fait pour la compta, je crois. Ah non, j'ai fait pour le droit. Et encore, il manque des feuilles. Je ne l'ai pas fait encore pour l'informatique. Stratégie bancaire, voilà, je l'ai fait. Donc ça, c'est juste mon cours que j'avais imprimé. Enfin, mon cours, oui, c'est mon cours fichier. Alors, je ne sais pas si vous allez voir vraiment quelque chose. Moi, en fait, mes feuilles de cours, c'est des feuilles avec des petits points, en fait. Comme pour les bujoux, en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus joli à regarder. Je fais beaucoup des carrés, des choses comme ça. Ça beaucoup plus clair, beaucoup plus marquant visuellement. Donc voilà, je fais des choses comme ça et je trouve que c'est beaucoup trop joli. Ensuite, ce que je fais aussi, bah après ça se voit pas trop, mais vous voyez, j'ai un code couleur, genre là pour le finance et système financier. Par exemple, j'ai mis en violet et du coup, tout ce qui est en rapport avec ce chapitre-là, j'ai mis des petits codes couleurs. Mais ça on le voit vraiment pas trop, c'est vraiment dommage. Mais voilà, pour dire que ça va avec. Intermédiaires financiers, pareil. Enfin voilà, je pense que vous pouvez voir, c'est beaucoup plus clair que si on mettait ça sur ordi. Et voilà comment j'ai fait. Moi, j'ai fait que des trucs comme ça, que des carrés. Voilà. Je vous ai montré comment je faisais ces carrés avec cette typographie-là dans ma précédente vidéo. 24 heures avec moi en tant qu'étudiante. Je vous ai un petit peu montré mes cours, etc. Enfin, ma prise de notes pendant les cours. J'ai vraiment fait ça en accéléré, donc moi, comme ça, vous pouvez voir. Là, c'est pareil, voilà, j'ai fait comme ceci. Et vous pouvez voir aussi sur mon compte Instagram, donc il s'affichera juste là, ElisaBRTOff. J'ai fait un avant-après de mes cours, genre j'ai fait ces tab to organize. Donc c'est dans une story à la une, vous pouvez voir. Je vais peut-être vous montrer, genre vite fait. Donc voilà, là, vous avez mon Instagram. Et en gros, vous avez cet onglet-là, tab to organize. Et en gros, tu tapes pour organiser. Et je l'ai fait pour les quelques cours, voilà, stratégie bancaire. De base, ça ressemblait à ça. Et après, ça ressemble à ça. Genre là, par exemple, ça, ça s'est transformé comme ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus... Par exemple, là, voilà, les crises, etc. Ça ressemblait à ça après. Donc, je trouve ça beaucoup plus joli, en fait. Même pour... Enfin, je vais vous montrer ça après pour ma fiche, pour les tests. Ça ressemblait à ça avant et après... Hop, ça ressemble à ça. Franchement, c'est beaucoup plus joli. Et donc, si vous voulez voir des avant-après, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Donc voilà, déjà, ce cours-là, je l'ai déjà classé. Enfin, je le trouve vraiment trop beau. À chaque fois que quelqu'un voit mes cours, il est vraiment subjugué. Parce que c'est très joli. Mais c'est aussi très facile à comprendre. Facile à apprendre aussi. Tout le monde me demande mes cours parce que, voilà, ma prise de notes, elle est bonne. Et c'est clair, c'est des fiches. Il y a des gens qui ont un cours de 35 pages. Moi, ça fait...
8 pages à tout casser en fiches. Donc vraiment, moi j'essaye au maximum de directement ficher mes cours et pas que ça parte dans tous les sens. Ça c'est les maths. Ok, les maths. Donc là vous avez tous les examens. Enfin, peut-être que je réorganise. Ensuite, ça c'est donc mes fiches de révision, donc avec les hypothèses. Donc voilà, on avait des hypothèses à faire. Avec toute la méthode en fait. À chaque fois que je fais, il y a la formule, ensuite il faut faire ça, ensuite il faut aller voir dans une table. J'essaie de mettre des codes couleurs pour qu'on puisse bien comprendre. Et ensuite il faut recalculer ça, aller dans une table. Et s'il y a ça, donc il y a... Bref, en gros, j'essaye de faire la méthodo à chaque fois. Là pareil aussi, on veut tester au seuil de machin, l'hypothèse. La formule, la table qu'il faut utiliser, les codes couleurs encore une fois. Pour ça, à chaque fois en fait je mets la méthodo et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible. Ça c'est une fiche de révision qu'une de mes potes a faite avec son copain, donc voilà. En fait quand c'est une fiche de quelqu'un d'autre j'ai un peu du mal, je vous avoue, mais c'était plutôt utile. Et là, c'était ma fiche aussi, théorie des thèses, donc celle que je vous ai montrée sur mon Instagram. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Sur mon iPad, en fait, je fais un petit contour gris. Donc on le voit que à l'iPad, on le voit pas quand on l'imprime. On le voit vraiment vite fait, mais vraiment, c'est très léger. Voilà, sur l'iPad, on voit qu'il y a une espèce d'ombre, mais quand tu l'imprimes, ça se voit pas. Et voilà déjà pour mes petites fiches de révision. Vous pouvez voir que ça tient vraiment sur quelques pages et c'est pratique, quoi. Ensuite, pareil pour un exercice qui allait tomber au partiel, j'ai fait la méthodo encore une fois de comment il faut faire avec la formule. Et derrière aussi pareil, j'ai refait la même méthodo. Donc voilà, c'était assez rapide et voilà. Ensuite, pour tout ce qui est TD, je mets toujours une page pour dire quel TD c'est tout simplement. Une page et ensuite bah, je fais toujours l'énoncé. Sur la page avec la réponse en dessous, ou alors quand vraiment l'énoncé est beaucoup trop gros, je fais l'énoncé ici et la correction à ma droite à chaque fois. Donc ça se présente toujours comme ça. Je n'avais pas repris ces exercices, je ne les avais pas remis au propre parce que ça n'allait pas tomber au partiel. Pareil pour le TD2, voilà, ça donne ça. Ensuite ça, je les avais fait sur ce genre de feuille. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû les faire sur cette feuille-là. J'aurais dû continuer sur l'iPad, mais bon, j'ai voulu tester, j'ai vu... En fait, je voulais acheter un classeur B5, parce que là, c'est B5, pour mettre ça à l'intérieur, sauf qu'il n'y a aucun classeur B5. Je ne trouve aucun classeur, donc voilà, la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Et le TD6, c'est donc le TD qui était au partiel. Voilà, donc j'ai tout refait au niveau des exos, toute la méthodo, etc. Les codes couleurs, à chaque fois, c'est que des codes couleurs hein, pour me repérer, parce que sinon, je n'y arrive absolument pas. Et voilà quoi, ça donne ça. J'essaye de vous montrer comme je peux avec une seule main. Voilà, donc ça c'est ce qui est tombé aussi au partiel. Donc je l'avais revu heureusement. Et là c'est mon brouillon de partiel. Donc je garde à chaque fois mes brouillons de partiel et je mets avec le sujet. Ça c'était notre épreuve. On nous a mis un exercice comme ça avec la loi de Poisson. Faut savoir que ça là... C'était les deux seules questions qu'on n'avait pas compris dans un exercice. Et c'est retombé exactement pareil. On était ravis. Donc voilà, on devait faire tout ça avec les tables. Ça, je sais pas si je les garde, les tables. Mais je pense que, ouais, je vais les garder. Je vais mettre des trombones pour les rattacher ensemble. Et voilà. Donc déjà, je vous ai fait un petit topo de comment je m'organisais pour, par exemple, les stats. Mais c'est pareil pour toutes les matières. Alors, pour tout ce qui est trombone, ils sont là. Donc je mets ça dans des petites boîtes qui viennent de chez Emma. Donc ça, en fait c'est juste en dessous de mon bureau. J'ai un meuble avec plein de petites boîtes. Et je vais mettre des petites trombones pour pouvoir relier mes cours, mes contrôles, mes examens, etc. ensemble. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les annales. Oui, on va laisser les annales ensemble aussi. Mais j'adore organiser mes cours, c'est un truc de ouf. J'adore ça. Je trouve que la créativité, ça joue énormément sur l'apprentissage. Si je suis pas créative, je vais pas y arriver. Si j'arrive pas à rendre mon cours accessible à... En fait, comment vous dire, s'il y a des gens qui regardent mon cours et qui ne comprennent pas mon cours, ça veut dire que mon cours est mauvais. Faut que mon cours soit accessible à tout le monde et soit compréhensible par tout le monde, même un enfant de 3 ans et demi. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire vraiment d'une manière très très claire, très nette, très, très simplifiée et pas compliquée. Parce qu'il y a des gens qui, vraiment, leur cours, c'est... Moi j'ai du mal à comprendre. Après c'est sûr on n'a pas la même logique, on n'a pas la même vision des choses entre guillemets, mais des fois c'est chaud quand même hein. Hop, ça c'est bon. Voilà, comme ça j'ai à la fois mes cours, ma fiche, mes tables qui étaient très utiles pour les partiels, et aussi mes annales, mes trucs de... mes brouillons, etc.
Après, j'en ai d'autres d'Anna, je ne sais pas où ils sont encore, mais je vais les rajouter. Ensuite, on va faire stratégie bancaire. Bon, ça, stratégie bancaire, c'était très très simple. J'avais pas de télé, j'avais rien, donc c'était juste ces petites feuilles-là. Donc, on va mettre le petit trombone. Ça, c'était vraiment très utile pour les partiels, ce genre de petits bloc-notes. Alors, vous pouvez acheter les bloc-notes, vous savez, les avec la couverture soit noire ou orange, là, les trucs qui coûtent très très cher, 4 euros, je sais pas quoi, là. À Action, vous en avez beaucoup moins, enfin, deux fois moins cher. C'est très pratique, vraiment. Moi, je me suis... Enfin, ça m'a été vraiment beaucoup utile pour faire... Pour tous mes brouillons, quand je faisais les exos et tout, je voulais faire ça vite, je notais là-dessus. Ça, c'était vraiment très pratique. Donc ça, j'en ai vidé au moins deux. Et vous pouvez voir à quel point je me suis entraînée, parce qu'il y a beaucoup de pages. Il y en a combien? Il y en a 100. J'en ai vidé deux. Donc voilà, pour vous dire à quel point je me suis vraiment bien entraînée. Tout ça, là, c'est le droit. Alors le droit, faut savoir que j'avais le livre, donc j'avais pas de cours imprimé, donc ça c'était bien. Mais par contre, dans notre TD, on avait un chargé de TD qui était vraiment très très bien. Il nous faisait en fait cours, et son cours, c'était une fiche du cours de la prof. Je les mets à chaque fois dans des pochettes comme ça. Et ces pochettes-là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des pochettes perforées en T. Comme ceci, donc ça veut dire qu'elles sont détachables, et moi j'ai vraiment besoin que mes feuilles soient détachables et pas à chaque fois d'enlever les anneaux, de prendre machin et tout, ça me gonfle mais d'un point de vue inimaginable. Du coup j'ai ce genre de pochette, et j'en ai une autre que j'ai rachetée entre temps parce que j'en avais besoin encore d'une. C'est la marque Elba, franchement je vous la conseille à 100%, je ne trouve pas de lien Amazon pour ça. Peut-être vous pouvez le retrouver à la Fnac. Ça coûte, je crois, 10 euros, c'est pas donné. Mais vous avez des feuilles à l'intérieur, vous avez ça, et vous avez aussi des petits élastiques. Donc ça, c'est vraiment pratique, je peux vous le conseiller à 100%. Tu peux donc l'enlever comme tu veux. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et moi, je vais vous montrer un petit peu mieux de plus près tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est pour ça que je les plastifie, parce que c'est vraiment très utile. Donc là, je vais les enlever de leur pochette et je vais, comme j'ai fait tout à l'heure, mettre des petites épingles pour pouvoir les ranger. Je vous baisse un petit peu, comme ça vous allez un peu mieux voir. Donc là j'ai mis tous mes contrôles et j'ai mis aussi mon cours juste à côté. Alors je voulais vous le montrer parce que c'était plutôt pas mal. Donc en fait j'ai fait à chaque fois une feuille, un thème. C'était assez clair je trouve. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de couleurs qui permettaient vraiment de bien comprendre. Sachant que le droit c'est vraiment pas facile, on va pas se mentir. Sans prétention, hein, franchement j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple d'apprendre. Enfin, en tout cas tout le monde a appris avec mes fiches et tout le monde a réussi. Et en fait mon code civil il ressemblait à ça. Pour celles et ceux qui ont du droit. Quoique non, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la méthode pour le code civil. Alors il faut savoir que le code civil c'est ton cours. Totalement ton cours, il y a tout ton cours à l'intérieur. Et en fait, chaque post-it correspond à un thème. Par exemple, le bleu, c'est les vices de consentement. Le jaune ou l'orange, c'est tout ce qui est fait entre les parties. Enfin, ce genre de choses. Ça te dit tous les principes de l'erreur inexcusable. Enfin, ça te dit tout. Et il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas la charge de la preuve, les dates d'appréciation, l'acceptation de l'offre, formation de la vente. Enfin, voilà, ils te disent tout. Enfin, ils te disent tout dans ton code civil. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas l'utiliser. Et j'aurais fait un cours de code civil. J'en peux plus, j'ai fait que des cours moi cette année. Il te dit les différents principes de la force majeure, par exemple si tu les oublies, au moins c'est marqué dans ton code civil, extériorité, irrésistibilité, etc. Et c'est plutôt pas mal le code civil, donc faut vraiment bien le connaître. Donc j'ai mis des post-it à chaque fois, chaque couleur, je correspond à un thème. Donc voilà. J'avais d'autres cas pratiques, sauf que je sais pas où est-ce qu'ils sont tous passés. J'ai dû les donner à des potes pour qu'ils puissent réviser, mais bref. Voilà déjà pour le droit, et j'avais aussi fait des petites fiches comme ça pour expliquer les articles. Bon, ça m'a pas été trop utile, je vous avoue. Ensuite, là, on va passer à l'informatique, qui est l'une des matières... Désolée, j'ai bégayé, il y a un monsieur qui est extrêmement chelou. Qui est l'une des matières où j'ai le plus imprimé de choses, parce que il fallait imprimer. C'est pour ça que j'ai dépassé mon quota de HP la dernière fois. Mais j'en avais vraiment besoin, c'était vraiment très utile. Donc je vais vous montrer comment j'ai fonctionné et comment je fonctionne en fait pour tous les autres TD. Mais au moins là c'est beaucoup plus parlant, vous allez un peu mieux comprendre. Thème numéro 1, donc c'est la partie 1, la modélisation. Donc c'est tout ce qui est avec les graphes, etc. Bon, pour ça, ceux qui ne sont pas en gestion, ça va pas vous parler. Mais en gros il y a des graphes, hein, bref, c'est que de l'informatique. Et en fait là vous avez le sujet et là vous avez la réponse à chaque fois. Donc le sujet, la réponse. Et pour moi c'est beaucoup plus clair que si par exemple tu mettais le sujet là et la réponse derrière, fallait tout le temps retourner, donc ça me gonflait vite. Donc j'ai fait en sorte d'imprimer ces feuilles d'une manière à ce que ça soit comme ça et pas
recto verso. Donc voilà, vous avez le sujet, la réponse. Et des fois, je mettais la réponse sur la même feuille quand c'était un tout petit sujet. Donc voilà pour la modélisation. Et vous pouvez voir qu'il y a toujours un espèce de code couleur. Donc ça, c'était pas obligé de faire ce code couleur là. C'est moi qui l'ai fait pour un petit peu mieux me repérer. Ensuite, la partie 2, SQL. Donc ça, c'est vraiment... Ah, c'était un petit peu plus compliqué de faire comme moi j'ai fait, genre sujet-réponse, parce que c'était vraiment très très long. Du coup, vous avez le sujet et vous avez les réponses juste après. J'essayais de faire réponse-réponse pour que ça soit beaucoup plus lisible. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est des trucs... Enfin... C'est vraiment de la merde, j'ai pas aimé ça. J'avais donc tous les TD, on en a fait tellement et il fallait tellement tous les apprendre. Les gars, j'en pouvais plus, c'était trop trop long à apprendre. Et en fait, où est-ce que j'arrive à mes cours? J'ai imprimé des cours, mais genre juste l'essentiel. Hop là. En plus, j'ai acheté des nouvelles pochettes, mais elles sont vraiment pas ouf. Donc ça, c'est tout ce qui est dans mon cours. Donc voilà. Enfin, après, j'ai pas beaucoup utilisé ça, hein, je vous avoue. Mais c'était des exemples du cours qu'il fallait apprendre. La méthodo, etc. Et donc, je vais vous montrer ma méthodo qui se trouve... pas du tout ici. Voilà, donc après moi j'ai fait une méthodo pour le SQL, donc j'ai repris en fait tous les exemples de la prof, tous les exemples de TD, et j'ai fait la méthodo pour faire en fonction de l'intersection, division, etc. Parce que c'est quasiment toujours la même chose, donc j'ai fait comme ceci en fait, j'ai fait A, B, etc. En fait c'est moi qui ai vraiment inventé la méthodo, il n'y avait pas d'exemple ou de modèle, c'est vraiment moi qui l'ai fait pour mieux comprendre. Genre j'ai fait que avec A, B, C, etc. Et ça a été utile pour beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai fait que ça. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps ça par contre, de tout bien comprendre, de tout... Voilà, donc tout ça c'est moi qui l'ai vraiment créé de A à Z. Et voilà, donc je suis trop trop fière de moi. Derrière vous avez tout mes brouillons, encore une fois. Je garde mes brouillons. En fait quand j'avais plus de feuilles comme ça, j'ai pris dans un de mes cahiers et j'ai fait mon brouillon en fait dans ce cahier là. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce cahier, parce qu'au moins tout était scindé dans un seul truc. Donc voilà, j'ai travaillé que là-dessus et je me suis vraiment beaucoup entraînée. Hein. J'ai fait que ça pendant 2 jours. Oh my god, j'ai fait beaucoup de choses. Donc voilà, après c'était le droit, je suis morte. Après je me suis entraînée pour le droit et j'ai fait en fait tous mes pronostics pour le partiel de droit et j'avais encore une fois bon. Je suis vraiment trop forte, hein, vraiment. Du coup je vais retirer tout mon cours en fait de ces pochettes là. Je vais les ranger dans le classeur, c'est parti, je vous mets ça en accéléré. Donc maintenant on s'attaque à la comptabilité. La comptabilité c'est pareil, j'ai fait exactement la même chose mais dans un autre classeur parce que j'avais pas assez de place dans l'autre. J'ai fait exactement le même processus. Donc là il y a tous mes TD, les sujets, etc. J'ai fait aussi des petites fiches, je sais pas si vous allez bien voir, en fonction de chaque dossier avec toutes les choses à retenir. Et pareil, idem, j'ai fait le sujet, la réponse, le sujet, la réponse. À chaque fois, j'ai fait ça pour bien m'organiser, pour bien voir les différentes parties. Donc, c'était vraiment hyper pratique. Je vais peut-être vous montrer un exo. Donc, celui-ci d'exo, c'est avec les capitaux propres. C'est assez compliqué et assez long, en fait, à faire ce genre d'exercice. Bah, j'ai réussi à le mettre sur une seule page. Donc, les différentes méthodes pour faire, genre... Bon, pour ceux qui sont en compta, vous savez à quel point c'est très très long, les dotations, les dividendes, les sommes distribuables, super dividendes, dividendes totales, l'énoncé et la correction. Et je fais ça à chaque fois. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc de base, en fait, ce genre d'exercice, enfin l'énoncé, il est sur plusieurs pages en fait. Genre par exemple, pour cet exercice-là, il y avait ça en premier qui était ici, en fait, à cet endroit-là. Et ensuite, il y avait les questions sur une autre page. Mais j'ai réussi en fait à... Enfin, je les ai screenées. J'ai screené chaque petit bout. Et je les ai remis en une seule page. Voilà, j'ai fait ça pour tout. Et franchement, c'était hyper utile. Enfin, même mes questions de cours et tout, franchement, j'étais... Enfin, vraiment, j'ai bien fait les choses. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Tout ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais je regrette pas du tout parce que c'était très utile. Donc pareil, j'enlève tout ça des pochettes plastiques. Et je vais les mettre dans mon petit classeur. C'est le bordel déjà là.
Voilà, tout rentre dans le classeur. Enfin, dans le classeur, dans la pochette. Et c'est plutôt pratique. Donc là, je vais mettre L3 gestion finance. Parce qu'avant, en fait, je mettais ça dans des gros classeurs. Vous savez, les trucs bien épais, là. Mais ça prenait trop de place. Du coup, maintenant, je fais avec ça. Semestre 5. Je vais peut-être mettre la date 2021. 2022. Oh là là. Donc voilà, déjà pour le classement des cours, au moins ça c'est fait. Et j'ai juste à ranger dans mon armoire là-bas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de ranger ces trieurs-là. Alors, pour les trieurs, en fait, moi j'ai une boîte où en gros j'ai plein d'autres trieurs et j'ai des pochettes comme ceci. Donc c'est les pochettes que j'ai achetées sur Amazon. Malheureusement, en fait, elles s'ouvrent comme ça. Genre, j'avais pas vu. Mais c'était vraiment pas cher. Du coup, j'ai des pochettes comme ceci. Donc je vais ranger celles que je n'aime pas trop là-dedans. Et les pochettes que je n'aime pas trop, en fait, ça va être vraiment en dernier recours. Si j'en ai pas assez, je vais les utiliser. Mais voilà, bref, je vais ranger tout ça. Donc ce trieur-là, je ne vais pas l'utiliser, enfin pour l'instant, je vais l'utiliser que pendant les partiels, je pense. Donc je vais essayer de le ranger dans... Oh, il rentre pas. Oh, si, il doit rentrer quand même. Dans ma petite boîte qui vient de chez Action. Oh. Et en fait, j'ai utilisé les petits compartiments, enfin je sais pas comment on appelle ça, les petits trieurs, quoi, pour ce classeur-là. J'ai vraiment des pochettes dégueulasses. Donc j'avais imprimé déjà un cours, c'était je crois gestion financière ou un truc comme ça. Et je vais les mettre directement plastifiés, comme ça, ça sera fait. Et je vais aussi mettre les noms sur ça. Je vais essayer de mettre avec la Dimo, je pense que ça peut le faire avec la Dimo. Donc je vais mettre ça là-dedans, je vais mettre la Dimo, c'est parti. J'arrête pas de faire des accélérés, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Bon, et bien écoutez, je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai mis les petites étiquettes gestion financière, marketing, CDG, TQG. Donc au moins, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour organiser. J'ai mis mon introduction, mon thème, comme d'habitude, avec un petit post-it juste là pour dire que c'est le thème 1. Et ensuite, vous avez le chapitre 1, le chapitre 2. Donc voilà, je trouve ça trop beau. Genre, j'aime trop. Donc voilà, donc je vais faire ça pour tous mes cours cette année et franchement cette méthode-là, elle fonctionne super bien. Beaucoup mieux organisée et comme je vous dis, si vous avez besoin d'un exercice sous la main, hop, comme ça, et ça s'abîme même pas, c'est vraiment bien, t'as beau renverser du café dessus, ça ne s'abîme pas. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des accidents pendant cette période de partiel avec les boissons et tout. Heureusement que j'avais plastifié mes petits cours. Mais voilà, c'est vraiment super pratique, investissez dans un truc comme ça. Moi, les classeurs, j'ai vite arrêté, ça m'a vite saoulé parce qu'il faut tout le temps enlever les anneaux, les machins, c'est vraiment gonflant. Donc voilà, je suis trop contente. Non mais regardez-le. C'était pas possible en principal. Bon, je suis en train de ranger tous les petits papiers et j'ai vu que j'avais cette pochette là. Je pense que je peux peut-être la garder pour mettre les petites fiches de révision en B5. Et là, j'ai retrouvé un cahier que j'avais acheté. En gros, il y a les formules mathématiques et tout. Donc ça, je vais le garder auprès de moi parce que en fait, on reprend à chaque fois les mêmes choses en maths. Donc ça, je vais le garder à côté de moi. Ah, et là, c'était aussi... Je suis morte. C'était aussi un cahier de brouillon là. Pour la comptabilité, donc je vais le garder encore un petit peu, parce qu'il reste quand même pas mal de pages. Et j'avais aussi ce rangement-là, qui m'a été un petit peu utile pour mettre tous mes cahiers, en fait, pour les regrouper dans une seule pochette. Bon, et bien voilà, c'est enfin rangé, ça c'est vraiment cool. Donc là, ce qu'on va faire. J'ai un de mes profs qui a fait un exercice de compta. De contrôle de gestion des coûts complets, donc ça c'est ce qu'on a fait en L2 et en fait je vois, je remarque et je constate, si t'as pas compris marché financier, comptabilité
et gestion dans, enfin gestion genre complet etc dans ta licence, mais en fait tu ne peux pas y arriver, tu peux pas réussir ta troisième année parce que vraiment la troisième année c'est un mélange de toutes les matières en une, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ça en fait le problème, c'est pas un problème, c'est une bonne méthode ce qu'il a, vraiment il fait une très bonne méthode, mais nous on est en PLS à chaque fois. En gros il nous demande de fermer nos ordi, de ranger nos téléphones, enfin voilà, comme si on était en cours, vraiment on est quand même 700. S'il y en a un seul qui est sur son téléphone, il dégage. Mais en plus, c'est vraiment vrai. Genre, c'est... Voilà, on est comme ça pendant 3 heures. Du coup, il nous a donné un petit exercice qu'on devait faire avec lui et corriger au tableau, etc. Mais en fait, on peut pas le... moi, je peux pas l'écrire sur l'iPad vu que c'est mon ordinateur. Il veut pas qu'on ait d'ordinateur. Du coup, je l'ai noté sur des feuilles que vraiment en mode à l'arrache parce que j'avais aucune feuille, j'avais pas de ciseaux, j'avais rien. Donc, je... Voilà, c'est des feuilles comme ça, on ne voit strictement rien, on ne comprend strictement rien. Il a mis le corrigé sur l'épi, enfin il va mettre le corrigé sur l'épi. Donc je vais, je pense, commencer à réécrire au propre ce genre de choses. Donc je vais le faire sur l'iPad. J'ai tellement de bonbons, de gâteaux dans mon sac. Ah oui, et j'ai eu sport aussi hier. Oh, j'en pouvais plus. J'ai trop mal. J'ai fait tellement d'exercices au niveau des bras là. Je n'en peux plus. Et hier, la prof, elle a dit, ouais, Elisa, c'est la coach référente. Attention. Si vous avez besoin, vous pouvez l'appeler et tout. J'étais en mode... Ah, une des queens. Donc je vais réécrire au propre cette chose-là. Si j'arrive à me relire. Hein, parce que c'est une catastrophe. Je ne comprends rien. Voilà ce que j'ai pu faire. J'ai fait ce premier tableau là, ce deuxième tableau, sauf que les trois derniers tableaux, il en manque encore un. Je les ai pas tous, il me manque quelques chiffres, quelques données. Donc j'attends que le prof mette ça sur l'épi pour pouvoir compléter. Ensuite je vais le mettre avec le format papier à pointillés. Je l'imprimerai, je le mettrai sous plastique et je le mettrai dans mon classeur. J'ai aussi tout réorganisé un petit peu l'application GoodNotes sur mon iPad au niveau des cours. J'ai essayé de tout mieux organiser, etc. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je mettrai aussi tous mes cours sur ma Dropbox et sur un disque dur à la fin de ma L3. Comme ça, je supprimerai tout ce qu'il y a sur GoodNotes. Et comme ça, je serai tranquille. J'aurai beaucoup moins de fichiers sur l'application. Donc à chaque fois, on me demande, mais c'est l'application GoodNotes hein, que j'utilise. Elle est payante. On va aussi faire mon petit planeur de février. Donc là, j'ai celui de janvier. Donc on va l'enlever parce que c'est bientôt la fin en janvier. Hein, c'est dans quelques jours. Donc juste à février. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est un petit planeur que j'ai acheté sur Shein. Il est vraiment très très bien. N'hésitez pas. Franchement, ça je vous le conseille à 100%. Et nous allons donc le faire. On va noter... Ah, j'ai pas mon planning de Truffaut. J'ai pas grand chose à noter, je vous avoue. Enfin, je note souvent les collaborations que j'ai. Bon bah écoutez, il n'y a pas grand chose à noter à part mon anniversaire. Voilà, il y a Truffaut, j'ai pas encore les horaires. Il y a Salon des Masters le 19, j'ai noté. Et puis au fur et à mesure, en fait, là je vais noter mes collaborations, ce que je vais devoir filmer, mes idées de vidéos, etc. Et au fur et à mesure, bah je note, par exemple, le 2, il y aura ça comme vidéo, etc. Enfin, je note en fait pour tout. Donc voilà pour mon mois de février, c'était très rapide. Parce qu'il n'y a pas grand chose à noter. Ah si, pardon, j'ai complètement oublié de vous montrer, mais... C'est les vacances là, j'avais pas noté, c'est très important ça. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard, il est 22h42, je n'ai pas bougé de mon bureau depuis tout à l'heure. J'ai monté la vidéo et j'ai vu qu'elle durait assez longtemps. Je ne fais pas plus, pas moins pour mon organisation pour la fac. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Sinon, je vous ai déjà fait des vidéos de mon organisation, mais au moins là, vous voyez vraiment avec des vrais cours, c'est pas que du théorique, c'est de la pratique.
Donc j'espère sincèrement que ça aurait été clair, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu, je sais pas, vous détendre. Parce que moi j'adore regarder des vidéos d'organisation, je trouve ça trop bien. Je vais essayer quand même de vous trouver le lien du planner de Shein et aussi du trieur Elba. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.